Oh là, les Jaffariens, ça va ou ça va? Moi, ça va. Mais comme ça, on est tranquille. Alors pour aujourd'hui, ce sera donc le qu'est-ce que c'est que donc, comme vous avez pu le voir dans la vignette. Du coup, avec la réponse du 8, et aujourd'hui, nous tournons le 9. Voilà. Donc dans le 8, je vous avais présenté cet outil-là. Et il y a un truc bien qui s'est passé avec ça. Bon, il a eu un peu facile parce que c'est un tout petit peu son métier, mais ça me fait plaisir qu'il ait pu marquer un point parce que il était abonné aux 0,5 points parce qu'il répondait toujours à côté. À côté, ou en tout cas pas forcément à côté, mais après les autres. Donc c'est bien, il a été du tac au tac là. Donc c'est Wen. Wen qui m'a répondu que c'était ça servait à. Quand on fait de la tapisserie, on colle deux bandes, si vous voulez, et pour écraser un petit peu le joint entre les deux bandes et bien les ajuster, cette petite roulette sert à ça. Alors je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir à quoi sert cette bestiole, parce qu'il y a différents types, hein. Il y a des fois c'est juste avec un bras, vous voyez, un petit peu comme un rouleau de peinture, juste avec une petite roulette. En général, c'est en plastique, soit dur, des fois lamellé, vous voyez. Ici, c'est un petit peu du caoutchouc, si on veut. Même si celle-là a un petit peu morflé. Et ça sert à ça. Voilà, alors merci à Wen. Tu as fait ça bien. Donc du coup, je vais te mettre, comme tu as été le premier déjà à me répondre, et le seul du coup, et parce que les autres ils sont pas réveillés, à me répondre et que tu m'as donné la bonne réponse, eh bien je te mets 2 points. Voilà, comme ça tu rattrapes un petit peu dans le jeu. Voilà. Donc pour aujourd'hui, pour le qu'est-ce que c'est que donc numéro 9, je vais vous présenter une autre pièce. Alors j'ai pris des photos pour vous montrer les détails plutôt que vous filmer directement avec l'autre petite caméra. Donc je vous montrerai, enfin j'incrusterai les photos au fur et à mesure. Donc voilà, cette petite bestiole, c'est ça. Alors attendez, hop là, je vais vous montrer. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite bestiole? Alors je vais vous mettre en détail la photo ici. Pour la BTR qui est ici. Alors c'est une BTR, une tête avec une BTR, vous voyez? Et il y a un pas de vis assez fin. Assez fin, pourquoi? Parce que ça va servir à serrer quelque chose. À serrer ou en tout cas à pousser sur la petite tige qui est ici. Alors je vais vous montrer un petit peu aussi. Ben là, ce ne sera pas en photo, mais tout au bout là, il y a une pastille. Et cette pastille est libre. Elle est fixée au bout, mais elle tourne sur elle-même pour que quand on serre, si vous voulez, elle puisse tourner sur elle-même sans abîmer la pièce sur laquelle on la met. Alors ici aussi, du coup, j'ai le corps de la pièce avec ici des pas hexagonaux pour pouvoir y mettre une clé plate, une clé anglaise, une clé à molette, on s'en fout. Bon, une clé à douille, ça va pas aller, puisque si vous mettez une douille, eh bien, vous n'avez plus accès à la BTR. Et ici, j'ai aussi un pas de vis autour, aussi un pas de vis très fin, qui servira à, on le suppose, fixer la pièce là où on veut la mettre. Voilà. Alors, à quoi sert ce petit outil? À quoi peut-il bien servir? Vous allez me le dire dans les commentaires. Vous allez aussi vous abonner là, vous appuyez sur la petite cloche et vous me faites un pouce bleu. Alors voilà, un qu'est-ce que c'est que donc très court pour le coup, parce que cette pièce est assez simple à expliquer. Il y a un pas de vis. En fait, en gros, si vous voulez, une fois que cette pièce est fixée là où on veut, eh bien on visse celle-là. Alors pourquoi faire? Vous allez me le dire. Et pour quelle utilité est cet outil? Alors, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. À quoi ça va servir? Alors les mecs qui touchent un peu vont le savoir tout de suite. Ceux qui aiment bien bricoler sur différentes choses. Alors on n'est plus du tout dans la tapisserie, hein, je vous le dis. Voilà, vous allez pouvoir me répondre. Alors voici pour le qu'est-ce que c'est que donc d'aujourd'hui. Ce fut court. Mais intense. Voilà, un grand merci à vous. Alors, si vous voulez pas, par contre, vous abonner, vous voulez pas me répondre,
Ouais, parce que si vous vous abonnez, du coup, ben, comme je le dis d'habitude, si vous me suivez à moitié, vous aurez les notifications du fait que à chaque fois je sors une vidéo. Donc, pour être au courant plus rapidement, vous vous abonnez, vous appuyez sur la cloche et vous aurez les notifs des différentes vidéos que je peux sortir. Puisqu'on risque de tourner encore cet après-midi, par exemple, une galéjade avec ma fille. Et voilà, comme ça, vous êtes au courant. Voilà, et si vous voulez pas, donc du coup, vous abonner, vous voulez pas liker, mettre un pouce bleu, vous voulez pas faire un petit effort quand même, un moment, je sais bien que bon, c'est dimanche, mais faut pas déconner quoi non plus. Eh ben, allez vous faire un câlin.